Et bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gaëldan pour les Jeux du Cygne. Nous retrouvons la tribu du Cygne Noir. Alors, vous la retrouvez, vous avez peut-être l'impression de l'avoir à peine quittée. Pour moi, il y a plus d'un mois entre mon dernier tournage et ce tournage-ci. Entre-temps, vous avez peut-être sans doute suivi mon Let's Play sur Twitch avec Canton et ses amis vampires. J'ai absolument plus la moindre idée de là où j'en suis. Je l'ai pas lancé depuis une éternité. Donc, j'ai changé la liste de mode, hein, comme vous pouvez voir. Entre-temps, on est aussi passé à la version 1.4. Donc, il y a Biotech qui était sorti, donc qui n'est pas actif pour ce Let's Play-là. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. Moi, il va falloir que je réorganise tout. Ça va être le bordel, mais c'est ça qui est bon. Ouais, forcément, il a l'impression que j'ai rien, que je ne possède rien. Bon, bref. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner. On va essayer de reprendre doucement. Ouais, j'ai ça que je dois terminer quand même. Donc voilà, c'est le bordel, mais c'est ça qui est bon. Je me souviens que j'ai un mal de chien à gérer le moral dans ces parties. Je sais pas trop jusqu'où est-ce qu'on va aller. Est-ce que je vais continuer éternellement sur cette partie ou pas. Peut-être à vous de me dire si l'aventure vous plaît toujours. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à me solliciter, me dire « si, vas-y, continue, c'est trop de la balle, c'est Let's Play ». Et si au final il est bien, mais sans être exceptionnel, voire carrément mauvais, j'en sais rien, n'hésitez pas à me le dire aussi. De toute façon, j'ai de quoi vous nourrir encore pendant des années avec RimWorld, donc la question n'est pas le problème. Donc voilà, je vais essayer de reprendre doucement cette partie, essayer de voir un peu où j'en suis, et puis essayer de pas trop faire de la merde. Ça va être le plus dur sans doute. Voilà, alors, j'ai du bois, oui j'ai du bois. Donc je vais pouvoir tout de suite m'occuper. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause tout de suite. Voilà, vous voyez le bordel que c'est. Je vais mettre l'enregistrement en pause. Je vais essayer de relancer 2-3 trucs, essayer de préparer un semblant d'organisation et essayer de m'y retrouver. Et puis ensuite, je reprends le cours de l'histoire. Et voilà, à tout de suite. Bien, allez. Donc j'ai refait un certain nombre d'étagères donc en version 1.4 qui sont des vraies étagères. Qui permettent quand même de stocker un peu de bordel. Ce qui n'était quand même pas du tout le cas des précédentes étagères. J'ai fait en sorte de rééquiper un peu mes gars pour qu'ils aient un vrai équipement, quoi. Ah merde, oui, c'est ça. Me disais là j'ai quand même une grosse zone qui ressemble à des trucs qui sont morts suite à un défoliateur, mais je me demande si c'est pas l'arbre qui avait pété là qui fait que personne n'est content, je sais plus. Bref, donc voilà, j'ai changé un peu mes armes. Ardarim, t'étais censé changer d'arme, mais manifestement t'as pas voulu le faire. Équiper ça. Voilà, j'ai aussi réorganisé un peu. Très bien, Postlevet a fini de péter un câble. Je voulais lui donner comme arme la mitrailleuse lourde que porte actuellement Loury. Hop. Postlevet, tu vas équiper ça. Et Loury, tu iras équiper la mitrailleuse quand tu en auras le temps. Alors là, je risque de me faire attaquer tant que je l'aurais pas décidé.
Donc je vais peut-être bien. Ça, il faudrait que je l'autorise. Je vais essayer d'interdire la zone de tir tant que mes gens ne seront pas un peu plus en forme. Donc que je me rende compte. Top, top, top. La zone 1, elle existe ou elle n'existe pas? Elle n'a pas l'air d'exister. Alors, je vais interdire cette zone-là. Hop. Là, je risque rien. C'est de l'autre côté de la muraille. Tac. Et même ça, tant qu'à faire. Hop. Pour l'instant, je vais donc inverser. Hop. Zone sûre. Hop. Et je vais dire à tout le monde de rester bien dans la zone sûre. Des animaux, j'ai quoi? Eux, ils sont parqués, donc c'est pas un souci. Ok. Bon, on va voir ce que ça va donner. On va laisser les uns les autres. Tiens, Tokiro, tu vas pouvoir aller équiper toilette normale, la tienne, ouais, c'est ça. Hop. Il va falloir que j'étende un peu tout ça. Tac. Tac. Alors, par contre, tiens, un truc que j'ai pas fait, c'est redéfinir les autorisations. Mode de lien. Paf. Toi. Donc toi ici, ce sera tout effacé. Je veux tout ce qui est aliments crus. Je veux les croquettes, je veux le foin. Je veux les ressources, les matières végétales. Et normalement, c'est tout. Ici, je vais vouloir hop, tout effacer, que tu mettes tous les plats, sauf l'opération. Hop. Et tout cela, hop. Me mettre dedans. Hop. Les rations de survie. Le chocolat, le pemmican. Mon chocolat, ça ira ailleurs, mais de toute façon, j'en ai pas. Je vais le mettre pour l'instant. Tu me mets tout ce qui est produit manufacturé, sauf le mou. Le mou qui doit aller aussi ici. Sauf ça, j'ai pas besoin de le mettre là, ça se conserve sans problème. Ah, mon chat qui fait le con. Nous en mettions ici. Donc on a dit les ressources, les produits manufacturés. Hop, les médocs, ça ira pas là. Les drogues, je les mettrai ailleurs. Non, ça peut aller là, les drogues. On fout un peu. Tu me mets donc les colorants. Tu me mets l'argent, le bois, l'or. Tu me mets les objets, les armes, les vêtements, mais pas les cadavres. Hop. Ok. Et puis là, j'avais une zone de stockage. Je verrai ce qui reste. Alors, qui est-ce qui est constructeur là-dedans? J'ai Ardarine. Ardarine, tu vas d'abord me faire la construction. Là, on va se dire qu'en bouffe, je suis large.
Donc, Arda, non, c'est pas ça que je voulais faire. Tu as beau être un excellent chasseur. Tu vas me passer en constructeur prioritaire et Tokiro également. Hop. Le paix assez pauvre Mufalo. C'est clairement pas ma priorité. Est-ce que j'ai d'autres trucs que je suis en train de chasser? Ouais, un étalon. Qui mourra tout seul dans 10 heures. Donc, hop, on va pas s'embêter. Ah, si, il y a Brodav dessus. Bon, il finit le. Putain, t'es un bon tireur, toi. Ouais, pas terrible. Mets-toi à côté et voilà. Tout de suite plus facile quand on est plus proche. Hein. Qu'est-ce que tu me fais toi? Non, on va pas chasser là. Hop. Allez, tu vas pas me le terminer là. Ah non, il peut s'échapper. Hop. Oh, je les tire dans l'arbre. Bim, voilà. Hop, faisait ne travaille pas. Non, mais transporte-le, putain, couillon. Ok, donc là on fait de la bouffe. Là c'est le bordel. Qu'est-ce que tu me fais du coup? Diable d'eau, mort d'empoisonnement, putain. Ardarine. Oui, mais non. Ardarine, hop, tu vas me faire tout ça. Hop. Plomberie, mort d'empoisonnement, c'est la merde. Hop. Conversion, oui, ça je sais que c'est le drame. Voilà, ça c'est l'état de ma. J'ai quatre jambes de mon idéologie. C'est bien. Hop, allez, on accélère un peu. Qu'est-ce que tu me fais là? Non, j'aimerais que tu me construises tout ça. D'accord, ok. Alors, sans. Hop. Ok. Bon, c'est un bon début. Et tu vas continuer ici. Ça va vite être le drame sur le bois là, tel que je le vois. Ok. Hop, et tu termines là. Nickel. Bien. Je voulais me faire aussi, je voulais en faire une autre avec tout ce qui est. Non, drogue. Ah oui, il y a les médocs aussi. Ardarine, tac. Voilà. Allez. Alors, comme Desperados, ouais, bon, on verra plus tard. Je m'en occuperai. Ah ouais, sauf que là, du coup, il me les fait en boucle, ce con. Attends. Ça, tu vas me les transporter urgemment, Zmoï.
Tac. Mais si, c'est là. Qu'est-ce que tu me fous? Putain. Pourquoi est-ce que tu veux pas les mettre là, tes plats, là? Tu m'expliques? Décharger, décharger, décharger. Va me décharger tout ça là. Qu'est-ce que tu me fous là? Allez. Mais non, putain, con. C'est moi le con, je sais. Médicaments. Hop, je veux que des médicaments ici. Je vais même en critique. Critique. Et ça, les plats, je les ai en critique aussi. Hop. Voilà, au lieu de demander. Tac. Voilà. Ok. Bah, ça devrait être un petit peu mieux. Bon, il s'empoisonne à tout va. C'est le drame. Ah oui, j'ai vu que j'avais quelqu'un qui avait perdu un bras, donc je me suis dit que j'allais peut-être lui en proposer un nouveau. Hop, ouais, donc là, j'ai pas assez de... Ouais, forcément, il aime pas parce que... On le place ici. Bon, pour l'instant, je vais me contenter de ça. Tac, copier. Coller. 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 Et du coup. C'est bon, plus ça, ça. Et ça. Paramètres de lien. Voilà. Bon, j'ai un vrai stockage pour la ici. Quelle température il fait? C'est bon. On s'y retrouve petit à petit. Là, ça construit, c'est bien. Sauf que du coup, j'ai plus du tout de bois. Il me reste 11. Il faut que je ramasse du bois. Hop. Tac. Pas à ce point là mais hop tac tac voilà ok ça ira mieux après non. Bah tiens, juste chez moi. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Ok. Ok, ok. Ça va foutre le feu dans tous les sens, ça va être formidable. Ah, il y a juste ça dont je peux profiter, c'est de faire tout péter. Bon, bah, de toute façon, j'ai pas bien le choix, il va falloir gérer ça tout de suite, parce que sinon, ça va être le drame. Hop. De toute façon, il peut m'attaquer comme il veut, donc... Bon 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 bon.
Ah non, l'autre solution serait que je passe par là, par l'extérieur. De toute façon, ça va être tellement la merde. Je leur dis d'attaquer lui et 4 là. Hop, vous allez attaquer de loin. Tac. Ah non, c'est bon, je peux m'approcher. C'est déjà ça. Je peux m'approcher sans qu'il me tire dessus. Ouhouhou. Alors du coup, vous, je vais positionner ici. Ouais, ça va presque dire que je peux attendre techniquement. Toshiro, t'es suffisamment loin. Attends, comme vous rapprocher un peu. Tac. Onyx, je suis pas sûr que tu aies une vision claire. Alors, vous allez tirer là. Attends, non, avant. Que je mette au plus proche. Ceux qui tirent. Je vais aller utiliser leur propre de protection. C'est quoi ça? C'est un faucheur. Il va falloir que je lui oppose. Bon bah, hop, une petite sauvegarde. Vous allez essayer de faire sauter ça. Non, pas au corps à corps, tirez. Alors, mousse, bah oui, du coup, ça a pété. Cache. Ouais, c'est bien, le marteau de Zeus, putain, c'est efficace, la vache. Alors le problème, c'est que maintenant, ça va aussi péter. Va te protéger là. Va te protéger là. Va lui sauver les niches. Barre-toi, 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 barre-toi. Non! Oui, d'accord. C'est vraiment la grosse, grosse explosion. Bon, bah, j'ai essayé. Hop. Donc, en fait, il faut vraiment que je focus. Ok. Donc, on change de technique, de tactique. L'attaque est tactique du gendarme. On va faire un focus. Tous les cacs vont rester loin. Mais genre. Hop. Vous, je vais essayer de vous planquer. Genre par là. C'est quoi la portée? Ça va être trop loin. Je pense qu'ici, ce sera trop loin. Là, ça devrait le faire. Bon, donc ce qu'on va faire, nouvelle strat, les mêmes mais en mieux. Hop. Allez, faut que ça saute, faut que ça saute. Putain.
Bim. Ok. Maintenant. Ah! J'ai mon gazard qui est passé. Bon, donc il était trop proche. Hop! C'est moche. Oui, je sais, c'est moche. Mais bon, c'est un. Comment tu fais pour évaluer la. Ah, bah oui, d'accord. Il suffit de regarder ça. Finalement, le jeu est assez intelligent. Donc, tout ce qui est là-dedans, ça pète. Tout ce qui est là-dedans, ça pète. Bon, de toute façon, j'ai pas besoin de beaucoup me protéger. Donc normalement, si je me mets là, je suis en dehors des zones. Ensuite, vous trois. Hop. En vous éloignant suffisamment. C'est bon là, ils sont. Onyx, tu t'avances d'un Zikino aussi. C'est bon, ils sont juste en dehors de la zone. Allez, c'est reparti. Hop. Mais non! Mais pourquoi ne veut-il pas que celui-ci vive? C'est fatigant, ce garçon. Alors. Il est fatigant. Non, je sais, il faut que je mette. Je peux laisser mes cacs, en fait, ici. Damnamite, tu vas même être celui qui sera sur le piquet. Donc là, tout le monde est en dehors de la zone, parfait. Hop, alors, tac. Tac. Hop, tu vas attaquer ça, toi tu vas attaquer ça. Vous deux, vous tirez là-dessus. Comme vous quatre. Et vous deux. Non, pas au corps à corps. Merde, pose le raid, tu peux pas. Pourquoi tu peux? Alors si tu peux pas, tu vas tirer sur. Non, pas au corps à corps, on a dit tirer. Non, barre-toi, mais putain, t'as raison, t'as raison, t'as raison, c'est ce qui. Oh là là là, mais c'est pas possible. C'est pénible. Que c'est pénible. Comment je suis censé arriver à gérer tout ça? Et ben l'autre solution, c'est de se dire que qu'on va tout faire vraiment à distance, en essayant de se planquer mal, mais de se planquer quand même. On va juste laisser tac. Tac. Je sais pas si ça les empêche de tirer. Hop, tirer. Non, toi tu as tiré là. Hop. On se barre. Ça va pas être facile. Bim. Allez, là on y est.
Yes. Bon, c'est exactement ce que je voulais faire. Moussaravé, ouf, t'es dans le mal. Ah bah tu viens de perdre une petite jambe. Hop, tant qu'on y pense. Quand c'est fait, c'est plus à faire. Une prothèse de jambe. Paf. Hop, vous allez vous planquer. 16h, Ardarine, c'est qui mes meilleurs médecins ici? Pourquoi est-ce qu'ils ont pas plus que ça? 3, 4, 4, 4. C'est Onyx qui est ici mais qui est loin. Ensuite, c'est Broudaf qui est également loin. Ardarine, encore lui. Je vais aller me sauver Moussaravé. Hop, vous allez m'éteindre les flammes, tous, autant que vous êtes. Et puis ensuite, bah, vous me récupérez tout ça. Hop, hop. Et toi, un jour ou l'autre. Tac. Ok. Bon, voilà. Et il faudra que je me refasse. Ardarine, c'est bien le moment d'essayer de convertir, pauvre con. Allez, boum. Oui, c'est bien le moment. Putain, les blaireaux. Soigner, 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 soigner. Hop. Hop. C'est bon. Allez, c'est bon. Tiens, vous me ferez démolir ça tant que vous y êtes. Ok. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. J'ai déjà dit ça, je crois. Ardarine, où es-tu? Tu es là. Va me faire ça, s'il te plaît. J'ai plus de calcaire, c'est le drame. Je sens que j'ai plus de calcaire et que donc c'est le drame. Et qu'il faut donc que je mine ordre. Miner. Ça, c'est du calcaire ou c'est du... Oui, c'est du calcaire. Hop. Bien, bien, bien. Papillote, si tu pouvais arrêter de tourner comme un. Hein? Ce serait bien. En médoc, j'en ai combien? Ça va à peu près. Liste de démence majeure. Tiens, c'est. Ah bah c'est mon papier, t'as fini. T'as fini de péter un câble. Voilà. Va prendre une binouze, ça ira mieux après. Oh putain, c'est les styles qui vénèrent. Moi, ça, tant que c'est que ça, c'est pas très très grave. Ouais, ça va mieux. C'était quoi, c'était ça? Humeur, pourquoi t'es pas content? Environnement I2, bah oui. Ouais, jaloux. Ah ouais, j'ai plein de jaloux dans cette... Dans cette base, c'est vrai. C'est quoi ça? C'est du granit.
Une mission. Pourquoi est-ce que Moussa Razé, on le nourrit pas? Hop. Nourris-le. Phoenix. Bon, oui, t'aurais peut-être pas dû faire ça en priorité, Coco. Excuse, mais... là, j'ai pas vraiment besoin d'armes en plus pour l'instant. Plutôt faire ça dans l'autre sens. Prothèse de bras, prothèse de jambe. Hop. Mes composants, en fait, j'aimerais bien les garder. Frénésie de tir. Au moins, il y en a qui sont joyeux. Bien, tu me fais des cailloux. C'est une bonne chose. Ça va me permettre de terminer ce que je vais terminer. Une double en ardoise. Est-ce que ça... Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut du marbre. Merde, j'ai besoin de marbre. Est-ce que j'en aurais pas là, tiens. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du métal, du granit. J'ai pas de marbre ici. Où est-ce que je vais avoir du marbre? Là, j'ai le match. Là, j'ai du marbre. Allez, tac. Tac. Ok, bon, j'ai tout ce que je veux en bois, il n'y a pas de soucis. Moussa Razé n'est plus incapable de marcher, c'est une formidable chose. Le diable d'eau continue de crever, ça emmerde. Alors... Ah, j'ai Papillote qui, du coup, qui n'a toujours pas de... J'ai deux lances normales, une là et une là. Alors, Moussa Razé va... équipé d'une lance normale et papillote aussi quand tu auras fini les calcaires. Bon, on commence à avoir une base qui ressemble vraiment à quelque chose. C'est formidable. Fabriquer une prothèse de bras, ça tombe bien. Alors, qui est-ce qui a besoin d'une prothèse de bras? Hop. Petit orteil droit, jambe gauche. Toi, tu auras besoin de te faire changer une jambe gauche, une prothèse... Ben non, je peux pas, tant que je ne l'ai pas récupéré, je peux pas le programmer. Tac, bras gauche écrasé. Alors, une prothèse de bras gauche. Hop. Néodilogion, c'est quoi? Recherche. Ok. Crise de boulimie. Allez! Onyx, tu vas pas aller opérer là? C'est bien elle. Du coup, Célestine va changer de pièce. C'est marrant.
Moussarazé, pourquoi est-ce qu'il est tagué chasseur? C'est une mauvaise idée. Moussarazé, je le détague en tant que chasseur. Ouais, je suis enchanté d'avoir de savoir que j'ai découvert un truc comme ça, mais. Oh putain, le bruit, t'es chiant. On va terminer ça quand il te reste 10. Hop. Donc, c'est Mangazor. Non, c'est pas Mangazor. C'est Moussarazé qui devra avoir une jambe gauche. Darine, tu voudrais pas me terminer ça, Coco? Ah non, c'est du marbre qu'il faut. Pour ça. Petit mineur. Dynamite, qu'est-ce que tu fais? Tu rassembles de l'acier. C'est une très bonne chose, mais je préférerais. Est-ce qu'ici tout est réglé? Oui, Loury, il est de nuit. Ici, a priori, c'est réglé. Ah oui, il y a un truc que j'aime bien faire pour éviter. Et ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai repéré. C'est de mettre, de rajouter ça pour éviter qu'il ne garde des trucs qui sont tout pourris. Mousse à raser, une boisson par jour. Hop, comme les autres. Je n'ai toujours pas de marbre, c'est toujours un peu pénible. De l'acier, j'en ai 314. Ouais, je suis content d'en avoir un peu quand même. Transporter ça. Je manque un peu de lumière là. Oui, c'est au centre. Pas tellement surprenant. C'est quoi? C'est la coiffeuse en bois. Je pourrais peut-être la mettre ailleurs. Tac. Pour dégager un peu de place ici. Hop. Bon, Onyx, tu pourrais vite. Ok, très bien. Ok. Le lieu d'assemblage, c'est quoi? C'est pour faire. Il n'y a rien ici. Un truc à drogue. Non, est-ce que j'ai en recherche, j'en suis où? Assemblage de composants, d'accord. Non, j'ai pas fait la production de drogue, d'accord. J'en ai du smoke leaf. On ne cultive pas du smoke leaf. Je crois pas. Plein de pommes de terre. Non, j'ai pas de smoke leaf. On faisait à une époque. J'ai les psychoïdes. Ah ouais, j'ai dit, il faudrait que je fasse une TP Koé ou des trucs comme ça. Parce que ça m'encombre, moi. Les colorants, ça pourrit pas s'y réfrigérer. Donc je m'en fous, j'ai pas besoin de le stocker là.
Priorité normale. Tac, 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 tac. Non, en fait, je peux laisser les mêmes paramètres et rajouter, copier les paramètres, coller les paramètres, puisque je les mets en priorité normale, avec en plus les cadavres d'animaux, sauf insectes, parce que je ne vais pas récupérer la bouffe d'insectes. Ok. Voilà. Bon, il faudrait que je me débarrasse de mon de mes trucs là. Me raser, oui, en train de récupérer normalement. Tout ce que j'ai là, ça devrait suffire. Hop, je vais hop me débarrasser de ces derniers trucs là. Aller récupérer, il y a quand même deux trois trucs à récupérer. Tac. Je vais récupérer tous ceux qui sont un peu protégés. Louis, pourquoi est-ce qu'il n'est pas en tenue de soldat? Qui est-ce qui est en tenue de soldat? Non, Louis devait être ouvrier. Onyx Brodav Zikino Tokiro. Louis, non, il a du tir. Hop, je vais prendre juste cela. C'est quand même normalement largement suffisant pour ce que j'ai à faire. Hop. Non, ça va me rassembler là. Tout de suite, c'est le rush. Allez. Tac. Attaquer. Postlevette, tu tires à distance. Alors qu'on deux, il faut que vous rapprochiez. Une efficacité le bim allez maintenant vous me détruisez tout ça va pas te prendre une munition comme ça je pourrais récupérer tout le bordel là voilà. Je voulais que Onyx, tu me récupères ça, équipé. Et du coup, je peux mettre non restreint pour tout le monde. Vous allez me récupérer en toute urgence. Ça tac le lancier mort comment ça là ici les mécanoïdes voilà. Hop. Et déconstruire tout ceci. Et ben c'est nickel. Et ben amis internotatrices et internotateurs, je vais arrêter cet épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ce qui peut sembler un peu artificiel pour vous, mais qui ne l'est pas du tout pour moi, cette reprise de d'épisode, de cette reprise en main de cette colonie. Vous conviendra et je vous dis à très vite pour la suite. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!